Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce magazine des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Aujourd'hui encore, des performances et de l'émotion lors de cette 4e journée de compétition. De l'émotion, justement, et des larmes de bonheur. Il y en a eu en cyclisme. Nouvel exploit de la Réunion sur les routes de l'Ouest. Après l'épreuve par équipe, Emmanuel Chaman s'empare une nouvelle fois de la médaille d'or dans le contre-la-montre individuel devant deux Mauriciens. Un coureur très ému à l'arrivée, vous allez le voir. Sur place, Hermine Alasson, Jean-Claude Touahir et Hubert Nugent. Emmanuel Chaman, médaillé d'or, envahi par l'émotion. J'arrive pas à croire. Il vient de battre le redoutable Lincoln dans le contre-la-montre. C'est le travail qui paye. Ça fait plus de 2 ans que je travaille ça. Et ma première pensée, c'est pour Anthony qui m'a préparé pour ça. Je peux pas rêver mieux que ça. Le Réunionnais boucle les 20 km en 23 minutes et 44 secondes. Malgré un début de course difficile, il bat le Mauricien Yannick Lincoln de 42 secondes. C'est à mi-parcours, au niveau de Grandfonds, que tout se joue. C'est le début de course et j'avais 20 secondes de retard sur Yannick, je crois. Là où c'est vraiment linéaire, c'est tout plat. Là où vraiment j'arrive à mettre du braquet, donc je pense que c'est peut-être à partir de là que lui il a coincé et que je lui ai repris du temps. Après l'arrivée aussi, on pense que c'est fini mais c'est pas fini. Donc là c'est là ce moment-là où il faut plus pédaler avec ses jambes mais avec le cœur. Quand ça roule vite comme ça, j'ai souvent du mal à bien figurer. Donc ouais, comme c'était tout plat, c'était pas forcément mon avantage. Quand je suis venu en mai, il avait montré qu'il était costaud, et en particulier sur un type de parcours comme celui-ci. Donc je savais que ça allait être lui l'homme à battre aujourd'hui. Il était à l'heure au rendez-vous. Ovationné par le public, Emmanuel Chaman prend la première place du podium. Au rythme d'une Marseillaise improvisée, il fait honneur au cyclisme local, honneur à la Réunion. Et Emmanuel Chaman est en direct avec nous ce soir depuis le village des Jeux. Emmanuel, bonsoir. On a vu votre émotion aujourd'hui. Pourquoi vous avez été autant bouleversé par cette victoire ? Ben voilà, c'est le, comme j'avais dit, c'est le travail de plus de 2 ans qui paye. C'est beaucoup de sacrifices, une hygiène de vie à respecter. L'entourage qui supporte, qui me supporte, les conversations au téléphone avec le coach interminables. Donc voilà, c'est énormément de choses qui font qu'à la fin tout ça explose. Donc déjà au départ, j'avais des frissons encore aujourd'hui. Donc à la fin, voilà, on peut que se laisser aller et savourer la victoire. Quoi. Alors nouveau duel avec les Mauriciens aujourd'hui. Vous aviez dit que vous ne vous sentiez pas très bien pourtant ce matin. Est-ce que finalement quand même la victoire de dimanche par équipe a boosté la confiance pour l'épreuve en individuel ? Ouais, le chrono par équipe, c'est une épreuve super importante pour la suite des épreuves qui se déroulent. Donc c'est une épreuve qui donne le ton et voilà, donc on avait à cœur de briller là-dessus. Et puis par rapport à mon échauffement, je peux avoir de mauvaises sensations, de bonnes sensations et être bien ou pas bien après. C'est le vélo, voilà, c'est assez inconstant. Donc 5 minutes avant le départ, on peut être pas être bien et être bien au moment M. Donc l'essentiel à l'arrivée, c'est que la victoire est là et voilà. Et ça a été le cas aujourd'hui. Emmanuel, depuis 3 ans, en tout cas depuis 3 éditions des Jeux, le Mauricien Yannick Lincoln remporte ce contre-la-montre. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini les complexes face à ce coureur ? Ouais, c'est bon. Après, c'est sûr que Yannick, c'est pas le grand Lincoln de quand il avait mon âge, entre guillemets. Donc il est un petit peu vieilli, on va dire, mais ça reste quand même un sacré moteur. Et il fallait vraiment rien laisser au hasard pour pouvoir le battre, c'est-à-dire voilà, le matériel, le vent, tout prendre en compte. Et après, il y a une petite part de chance aussi parce que le vélo reste un sport mécanique. Éviter la crevaison avec de la chance. Donc voilà. Merci Emmanuel Chaman et bravo pour cette victoire. Il reste bien sûr l'épreuve en ligne en fin de semaine.
Du côté des bassins, les nageurs ont bien failli ne pas mettre leur combinaison, faute de ligne d'eau suffisante. Finalement, le grand plongeon a bien eu lieu. Et sans surprise, la Réunion a fait une véritable razzia sur cette première journée en remportant 8 finales sur 9. Valérie Filin sur des images des télévisions de l'Artois. Ça va vraiment être disputé. Ils avaient annoncé la couleur avant même de plonger dans la compétition. Sur 38 courses, l'équipe réunionnaise de natation a un objectif de 38 médailles du plus précieux métal. Cet après-midi, dans la piscine du Chaudron, la ruée vers l'or a démarré avec cet homme, Yannick Châtelain, deux victoires à lui seul. C'est vraiment chouette, c'est chouette. Première médaille d'or pour la Réunion chez les mecs, ça fait plaisir. La première pépite de cette première journée, c'est elle qui l'a offerte au pays organisateur. Géraldine Neufner, reine sans conteste du 200 mètres brasse, en 2 minutes 37 secondes. Donc 2:30 aujourd'hui, cet après-midi, voilà, cette équipe de France. Mais la Réunion aura tout de même laissé filer une médaille en or, aux 50 mètres d'eau féminin, où la sirène séchelloise Alexus Lair aura été vraiment trop rapide. Je suis très elle est contente, heureuse. Elle est excitée et tout va bien. Pour... Ce mercredi, il y avait du monde autour de cette piscine du Chaudron. Ambiance à son comble pour le bouquet final de ce feu d'artifice de médailles. L'or, 8 fois sur 9 courses pour la Réunion, en ajoutant 2 victoires au relais. La suite de la compétition demain. On reparle des rififi en volley féminin. La Fédération française a fait à son tour une réclamation auprès du comité des Jeux après la disqualification de Myriam Kloster, la FFVB qui justifie les 5 années de licence de la joueuse. Alors en attendant la décision qui pourrait réintégrer les Réunionnaises dans la compétition, les demi-finales féminines prévues ce soir sont reportées. Ce matin, lors d'une réunion du Quige en présence des différentes délégation engagée sur le tournoi, le comité international des Jeux a déclassé la Réunion qui se retrouve deuxième de sa poule avec 2 points en moins, et cela alors même que les coéquipières de Myriam Kloster avaient infligé 2 raclées aux Mauriciennes lors des phases éliminatoires. Et à l'heure où l'on vous parle, les volleyeuses réunionnaises sont éliminées, comme nous le confirme Axel Grondin, chef de la délégation pour la Ligue de volley. La réunion est éliminée puisque la décision du Quige concernant le cas de Mme Kloster étant parvenue après suite aux 2 matchs joués par la réunion. La réunion finit donc deuxième de la poule, bien évidemment, parce qu'il n'était que 2, mais avec un score de moins 2, ce qui fait qu'elle n'est plus qualifiable pour la demi-finale, quoi qu'il en soit. Voilà, une interview réalisée par Francis Bourgoin. Sur le terrain, beaucoup de déceptions et d'émotions encore hier soir. Les joueuses réunionnaises ont fait leur adieu à la compétition après la disqualification, je vous le disais, de Myriam Kloster sur réclamation de Maurice et des Seychelles. Mardi soir, le cœur plein d'amertume, les filles assistaient au match de leurs homologues masculins face à l'île sœur. Christelle Floricourt, Jean-Claude Toyer. Une Marseillaise teintée de larmes, d'amertume, de déception, un hymne en signe de protestation. À partir de demain, la Ligue arrête l'organisation du tournoi féminin, mais continue le tournoi masculin. En protestation par rapport à tout ce qui se passe. Une mesure qui intervient après la décision du Comité international des Jeux en défaveur de la Réunion. Sur réclamation de Maurice et des Seychelles, l'instance disqualifie Myriam Kloster car elle ne réunirait pas les 5 années de licence à la Réunion nécessaires à la participation des Jeux. À part être français, qu'est-ce que c'est être réunionnais ? Voilà, on ne reconnaît pas les textes de la Fédération française de volleyball, de laquelle dépend la Ligue réunionnaise de volleyball. Donc à partir de là, moi je souhaite une bonne compétition à ceux qui continuent, mais je suis vraiment déçue pour mes coéquipières avant tout. Des coéquipières effondrées, elles étaient aux portes des demi-finales et avaient l'or en ligne de mire, mais impensable pour elles de continuer sans Myriam. On a fait front, c'est sûr que ça fait mal, mais voilà. On se dit qu'on a mis un an de sacrifice de notre vie de côté pour finir comme ça. Pour moi, c'est plus politique qu'autre chose et ça va au-delà des valeurs du sport. J'ai une grosse déception, mais malheureusement, je pense que c'est la seule solution. De toute façon, ça ne sert à rien de défendre, puisque les plaignants sont ceux qui décident. Donc on n'y arrivera jamais au bout du compte. On se repose même la question, vu tous les événements qui se passent, la survie des Jeux des Îles réellement.
L'espoir de médaille repose à présent sur les garçons qui ont débuté sur une bonne note hier soir. Comme leur homologue féminine il y a quelques jours, ils sont venus à bout des Mauriciens en 3-7-1. Effectivement, vous l'avez vu, entrée en lice hier des garçons. Les volleyeurs réunionnais ont répondu à l'attaque mauricienne par une jolie première victoire 3-7-1. Les joueurs de l'île sœur se sont cassés les dents sur la muraille réunionnaise. Ce soir, Stanley Sess et ses coéquipiers rencontreront l'équipe de Madagascar avec pour objectif la première place de la poule B. Image ramenée par nos confrères de la MBC et je vous propose d'ailleurs d'entendre Melchior Mignopou, l'entraîneur des Mauriciens, interrogé par nos confrères de la MBC. Bon, la performance, c'est, bon, vous allez dire plutôt la performance du match. Le match, on a fait beaucoup de fautes directes, mais comme le volley c'est un sport de fautes, et le bien faire le moins de fautes possible, et on a fait le plus de fautes possible, on a perdu. L'équipe de la Réunion a fait moins de fautes, elle a gagné. Une image forte à présent qui n'honore pas les Jeux et qui a beaucoup fait réagir lors des remises des médailles hier. Regardez une athlète malgache, Marthe Ralisinirina, voulait faire flotter son drapeau après avoir remporté le 3000 mètres steeple. Mais l'étendard lui a été arraché des mains par Catherine Paoli, membre du comité d'organisation. Un geste sifflé par le public. La délégation malgache a elle aussi réagi et réclame des excuses de la part du comité d'organisation. Je vous propose d'écouter Jean Herlé Ambinitsoarive. Il est le chef de mission de Madagascar. En fait, donc, elle a arraché le drapeau malgache et a froissé le drapeau malgache. Et donc, c'est par rapport à cet agissement, nous dénonçons et contestons cet agissement et que nous demandons une excuse officielle et publique du COJI vis-à-vis du peuple malgache et de l'État malgache par rapport à cet agissement regrettable d'une haute représentante du COJI. Et de son côté, le COJI justement annonce qu'un courrier officiel d'excuses a été envoyé à la délégation malgache. De leur côté, deux tiers de la délégation comorienne se sont envolés pour Moroni hier soir après le boycott des Jeux. Une soixantaine n'a pas répondu à l'appel au retour. Ils ne sont pas pour autant en situation irrégulière puisque leur visa court jusqu'au 28 août. Mais pour ceux qui ont pris l'avion, ils étaient dans l'amertume et la déception. Hakim Ali Saïd, Rodolphe Ozen. Nous, on voulait défendre notre drapeau, mais on n'a pas pu aller plus loin d'après ce qui s'est passé ici. Je peux rien dire de plus. La gorge serrée, les athlètes comoriens quittent avant l'heure les 9e Jeux des îles de l'océan Indien et l'île de la Réunion. Ils étaient là pour livrer une bataille sportive au sein de l'Indo-Océanie. Ils se sont retrouvés, malgré eux, dans un combat politique qui dépasse largement le cadre olympique. Vous avez vu que c'est l'équipe comorienne qui est entrée en première lors du défilé et avec joie. Cela veut dire que ces jeunes étaient prêts à jouer, ces jeunes étaient là pour s'amuser. Alors l'incident est arrivé, bon, nous on est tous désolés, on n'y peut absolument rien, mais personne n'allait deviner que c'est ce qui allait se passer. Cette aventure sans duel sportif ni médaille restera à jamais gravée dans les mémoires de ces jeunes. La délégation comorienne était venue à ses 9e Jeux avec la quasi-certitude de repartir avec le drapeau olympique pour accueillir en 2019 les 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Elle est repartie avec des interrogations sur l'impact de ce qui s'est passé sur sa candidature. Et on poursuit avec du tennis ce mercredi. Duel entre la Réunion et Mayotte. À l'arrivée, Quentin Robert, le numéro 2 réunionnais, est venu à bout du numéro 1, Mahoré. Un match âprement disputé sur le court de Champfleury et au bord du terrain. Il y avait Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Il aura fallu à Quentin Robert 5 balles de match et des nerfs solides pour venir à bout d'Abdoul Karim Ali. Le duel entre le numéro 2 réunionnais et le numéro 1 Mahoré a tenu toutes ses promesses. Tous les deux âgés de 21 ans et tous les deux pensionnaires de clubs de France hexagonale, Quentin et Abdoul Karim se connaissent de longue date. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises dans le championnat Réunion-Mayotte. 6-4, 7-6 aujourd'hui. C'est au forceps que Quentin s'est finalement qualifié pour les demi-finales. Il a vraiment un gros coup droit et il est un peu imprévisible dans le sens où
toutes ses balles, il donne vraiment beaucoup de... Vous savez, il donne beaucoup d'intensité dedans, il les frappe toutes vraiment fort. Du coup, des fois, j'ai l'impression de lui donner des balles difficiles et il me renvoie vraiment un super coup au service. J'avais du mal à lire son service. Et il joue, sa balle est très lourde, vous savez, dans la raquette. On sent que dès que je la tapais un peu derrière, la balle, elle partait dans tous les sens. Et j'ai eu une petite baisse au service, j'ai enchaîné quelques fois de bêtes, ce qui lui a permis de gagner le set assez facilement, quoi, le jeu. Du coup, bah, c'était dur mentalement, après pour repartir. Mais au deuxième, je me suis quand même accroché et j'ai tenu mon service jusqu'à 6-6. Et après, il m'a manqué un peu de finition, je dirais. Le tennis réunionnais conserve toutes ses chances de podium dans ses 9e Jeux des Îles. Prochain adversaire pour Quentin, le redoutable numéro 1 malgache, Jacob, pour une demi-finale qui s'annonce explosive. C'est l'heure pour moi d'accueillir ma consœur de la SBC, Mira Labiche. Bienvenue. Merci Annabelle. Alors dimanche, Mira, vous nous disiez que Seychelles espérait mieux que les 57 médailles d'or raflées en 2011 à la maison. Mais ça semble un petit peu compromis si on jette un œil sur le compteur, Mira. Oui, oui, tout à fait Annabelle. Honnêtement, l'équipe de Seychelles a commencé très mal, je peux dire honnêtement. Par exemple, il y a l'équipe masculine football qui sont déjà en dehors des jeux. C'est dommage parce qu'il y a... En 2011, ils ont reçu l'or et maintenant ils sont en dehors de jeu très tôt. Ils ont même pas passé le tour éliminatoire. C'est très dommage pour nous, nous sommes très déçus. Il y a même pour badminton aussi, l'équipe masculine jusqu'à maintenant n'a pas pu décrocher aucune médaille. Il y a que l'équipe féminine qui a pu décrocher le médaille d'argent. Alors pour nous, c'est un peu déçu, quoi. Déception. Mais une belle médaille d'or quand même cet après-midi en natation, oui. Et elle a été remportée par Alexius Laird, médaille d'or aussi en haltérophilie. Oui, effectivement Annabelle, je peux dire avec une belle sourire que Clementina Agricole et Ruby Malvina nous a pu remporter chacune 3 médailles d'or, mais fais attention, je crois qu'on puisse avoir plus de médailles dans l'haltérophilie, alors moi j'ai beaucoup d'espoir pour eux. Alors en tout cas, hier, en revanche, déception à la boxe pour les Seychellois. Oui, dommage, encore de mauvaises nouvelles. Je peux dire que pour ces Jeux des Îles, les Seychelles ont l'espoir de décrocher des médailles en boxe. Par exemple, en 2011, l'équipe des Seychelles a eu 9 médailles, dont 4 l'or et 5 bronzes. Cette fois-ci, en 2015, on est à 8 boxeurs, dont 4 sont des nouveaux. Et alors, oui, 4 nouveaux. Ils sont rentrés en lice hier soir? Oui, c'est pour eux leur premier jeu des îles. Et justement, ils étaient en action hier. Il n'y avait qu'un seul qui a pu décrocher une médaille. Et justement, je vous propose de suivre le reportage de Vitana Gabriel et Jimmy Léon à propos de leur combat. Après avoir remporté 4 médailles d'or lors des derniers Jeux à la maison, l'équipe de boxe seychelloise a fait le déplacement cette année avec 8 boxeurs. 4 d'entre eux font leur début dans ces Jeux des îles. Ils sont accompagnés de leurs deux entraîneurs, Jerry Legras et Rival Payette. Enfin, la chance est là. Maintenant, ça dépend des gars. Il faut qu'ils travaillent. Mais seulement Jerry et moi sommes optimistes. Nous pensons que les choses vont se passer comme on l'imagine. Pour l'instant, on le garde comme un secret. Parmi les 4 débutants figure le meilleur athlète chez les juniors de l'année 2014, Kevin Kilindo, seul vainqueur Seychellois hier. Le très jeune champion de 19 ans offre aux Seychellois une place en finale dans la catégorie de moins de 91 kilos. Je suis particulièrement heureux de participer à ces Jeux des îles et je ferai vraiment tout mon possible pour offrir aux Seychelles une médaille d'or. Les 3 autres débutants, Alvin Boutsois, Nigel Benoit et Lorenzo Bonne, ont tous perdu leur combat contre des adversaires malgaches et réunionnais. Leur contre-performance hier soulève de sérieuses questions quant aux chances des Seychellois de préserver leur réputation de king du ring de l'océan Indien. Merci Mira d'être venue nous faire un point sur les athlètes seychellois à qui on souhaite bien sûr de meilleures chances. Sûrement, oui.
On vous le souhaite. La boxe qui se poursuit en ce moment même. Et puis, place à notre tour d'horizon des épreuves disputées ce mercredi. Ce soir, retour sur le badminton, l'athlétisme et la deuxième journée de judo avec Daniel Bénard sur des images des télévisions de l'Artois. Beaucoup moins. Sur les tatamis dionysiens en judo, belle moisson de médailles pour la délégation réunionnaise. Charles Preuillot montre la voie. Puis, chez les hommes, toujours Théo Pitaval, en moins de 73 kilos, fait parler toute sa puissance en s'imposant face au Maoré Florian Lejoli. Avec 10 médailles d'or, nos judokas font mieux qu'il y a 4 ans aux Seychelles et la compétition n'est pas terminée. Chez les moins de 60 kilos, Maurice s'offre l'or grâce à la victoire de Pascal Laurent sur le malgache Nazir. Il pend. Feu d'artifice pour les athlètes mauriciens sur la piste du stade olympique de Saint-Paul. Cet après-midi, dans les relais, 4 fois 100 mètres, les relayeuses de l'île Sœur brillent de mille feux. Puis, quelques instants plus tard, elles sont imitées par leur homologue masculin. Au marteau, la Réunion s'offre l'or avec le jet de Muriel Manieka à plus de 54 mètres. L'or pour Muriel, l'argent pour Nicolas Janet au poids qui trouve plus fort que lui. Il est battu par le Mauricien Bernard Baptiste. Ah merde ! En badminton, la suprématie mauricienne était déjà de notoriété publique depuis belle lurette. Elle s'est encore vérifiée cette année. Les finales ont été de quasi-formalité face aux équipes réunionnaises. Aussi bien les femmes que les hommes se sont imposés, permettant à l'île Sœur d'engranger ainsi de nouvelles médailles d'or. Et justement, avant de nous quitter, on jette un coup d'œil sur le tableau des médailles. Cela a beaucoup bougé depuis hier. La Réunion a pris la tête du classement général. Vous le voyez avec 29 médailles d'or, 26 en argent, 27 en bronze, reléguant ainsi Madagascar à la deuxième place avec 27 médailles d'or. Maurice est troisième avec 21 médailles d'or. Et vous le voyez, égalité parfaite entre les Maldives et Mayotte dans le bas du tableau. Voilà, c'est la fin de ce magazine des Jeux des Îles. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 19h30. Passez une excellente soirée.